Pour Joseph Borrell, il faut que ses positions riment également avec les positions des pays. Mmh. Donc je pense qu'une fois, par exemple, dans le Conseil de l'Europe, il y a une majorité ou il y a une, une masse critique qui est pour l'autonomie que propose le Maroc, je pense que la Commission va, ne va que suivre dans ce mmh. sens-là. Euh, je, je pense que la, la, la France est en train de clarifier sa position. Si on arrive à avoir également l'Italie, avec bien sûr l'Espagne et l'Allemagne. Et la Hollande et d'autres pays qui sont de l'Europe de l'Est, on va arriver très bientôt à une masse critique de pays qui sont pour la souveraineté marocaine sur le Sahara. Et à ce moment-là, je pense que la position de la Commission va suivre. Bien sûr, il faut travailler, ce n'est pas juste la Commission, il faut travailler au niveau du Parlement européen. Ah. Maintenant, on a une majorité au niveau du Parlement européen qui nous soutiennent. Ils n'ont pas encore pris de position dans ce sens-là, en étant, il y a des quelques éléments du PP, il y a quelques éléments également. De Renew, il y a des éléments également des socialistes et même de la gauche qui disent que la position marocaine, on la comprend. Et ce qu'a fait l'Espagne et ce qu'a fait par exemple l'Allemagne, ce sont des choses qui vont dans la bonne direction. Mais je pense qu'il y a tout un processus qui est déjà maintenant entamé. Le fait que Borrell est là, puisqu'elle a fait les déclarations dont a parlé Simstafa et il s'est rétracté maintenant, il est là, il déclare solennellement, c'est un bon point. Mais je pense que l'Europe tout entière, moi c'est ce que je dis, l'Europe doit clarifier ses positions par rapport à cette question-là.